on recommence. Elle le savait bien qu'elle avait la plus jolie. C'est Elisabeth Bernard, elle est habituée aux champions, aux championnes, elle est entraîneur, top niveau d'entraîneur ici à la Teste. Et aujourd'hui, elle a présenté une concurrente tout à fait spéciale. Elisabeth, explique-nous. J'avais fait le papier, j'étais persuadée de gagner. Et si avec ça, je ne trouve pas de nouveaux propriétaires, je ne comprends plus rien à rien. Explication, il s'agit de Pauline Leray, Miss Hippodrome, vous le lisez ici, Miss Hippodrome de la Teste en ce 6 juillet 2022. Donc tu es cavalière d'entraînement. D'entraînement, explique-nous. Exactement, c'est Madame Elisabeth Bernard qui me forme tous les matins afin de devenir à mon tour jockey. Mais alors, tu veux devenir top modèle ou tu veux devenir jockey? Avant tout jockey, pourquoi pas continuer dans ce lancer-là. Peut-être une future Chantal Sutherland, qui a donc Chantal Sutherland, la star américaine, canadienne, enfin, pour être tout à fait précis, vraiment vedette de télévision, elle a fait 4 matchs dans Vogue, elle a gagné des groupes 1 et compagnie. Tu as quel âge? 18 ans. 18 ans, et tu es donc apprenti, tu as commencé dans le métier quand? Quand est-ce que, d'où c'est devenu cette passion, d'où est devenue cette passion? Je venais déjà avec mes grands-parents souvent aux courses, et après mon grand-père m'a toujours poussé pour monter à cheval, et un jour, pendant les portes ouvertes de l'école à Fassec, en Marsan, j'ai tenté ma chance et j'ai été sélectionnée aussi. Eh bien bravo, félicitations. Et comment se fait-il que tu te retrouves ici aujourd'hui en tant que, non pas, avec un autre habit de lumière finalement? D'habitude, ce sont ces jockeys que vous voyez derrière, effectivement, avec l'habit de lumière. Bientôt, tu te retrouveras sans doute, Pauline, avec ces habits de lumière. Mais c'est un autre habit de lumière, celui de Miss Hippodrome. Comment t'es-tu retrouvée là? C'est grâce à ma patronne, Madame Elisabeth Bernard, qui m'a inscrite et qui croyait en moi. Je suis contente de représenter l'écurie aujourd'hui. Alors cette pouliche, qu'est-ce qu'elle a comme qualité? Eh bien écoutez, d'abord déjà c'est une bonne cavalière, ce qui est quand même très important. C'est une enfant adorable, toujours souriante. Bien entendu, elle est fort jolie, ce qui ne gâche rien. Et c'est agréable d'avoir des jeunes femmes passionnées, aimant les chevaux, avec qui on peut collaborer tous les matins. Et je suis ravie d'annoncer en plus qu'elle a trouvé l'amour à l'écurie. Elle a trouvé l'amour en l'écurie, ce n'est pas moi alors? Malheureusement non, vous êtes arrivée trop tard. Qui entre en tout cas, une gagnante en débutant. Bravo Elisabeth. Magnifique. Bravo Pauline. Merci. Bravo Pauline. Et surtout, bonne continuation. Merci. Merci. Allez, c'était la Teste. Miss Hippodrome, Pauline Leray. Allez, c'est super. Bravo, merci. Bravo.